Je m'appelle Franck Scurti, j'habite à Paris, je suis artiste et mon exposition vient d'ouvrir samedi dernier à la Galerie Michel Rhin. Mes sources d'inspiration sont aussi bien l'histoire de l'art contemporain, minimalisme, pop, art conceptuel, mais aussi l'art moderne qui a été très, très important pour moi. Je réfléchis en termes d'analogie beaucoup et de relation d'une chose à une autre. Et donc, mes travaux sont tous liés et se répondent en quelque sorte, un peu comme un curseur. L'idée de l'exposition et surtout de ces pièces est venue en regardant le tableau de Van Gogh et en s'interrogeant sur la notion de cadre chez lui. Et Van Gogh avait vraiment cette volonté de donner à ses œuvres, même dans les plus sombres comme les Mangeurs de pommes de terre, de leur donner un cadre doré ou de cuivre. Et l'idée est partie de là. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette relation à l'image que peut représenter une peinture à l'huile, par exemple, d'un grand maître comme Van Gogh, et toutes ces images qu'on n'a pas sollicitées, qu'on peut trouver sur nos réseaux sociaux, sur les applis de nos iPhones, et qui viennent un peu contrôler nos vies par des systèmes algorithmiques. On peut voir mes œuvres au Centre Pompidou à Malaga, en Espagne. On peut les voir aussi bientôt à la Fondation Zimei en Italie, au Macval à Vitry. J'aurai une grande rétrospective de mon œuvre filmée au CCCOD à Tours.